Et coucou, c'est Princesse Mag pour un nouveau petit zoom, donc je vais revenir un petit peu sur vos avis. Certains nous ont reproché que les zooms étaient trop courts, on peut pas dire grand chose sur certains personnages et c'est pour ça qu'on veut les mettre aussi un petit peu en avant. On a choisi un personnage qui nous a été proposé, et d'ailleurs merci de nous avoir proposé vos personnages. Il s'agit de la fée Clochette. Clochette est la petite fée présente dans Peter Pan et dans sa propre série de films quelques années plus tard. La fée Clochette a été créée en 1904 par J.M. Barrie dans sa pièce de théâtre Peter Pan. Son nom était alors Tin Tam et elle était représentée par une lampe accrochée à un bâton. Dans cette œuvre, on apprenait qu'elle était amoureuse de Peter Pan et qu'elle était tellement petite qu'elle ne pouvait contenir qu'un seul sentiment à la fois. Dans cette pièce, Clochette mourait à cause du nombre insuffisant d'humains qui croyaient en son existence et cela a en partie inspiré le scénario de Peter Pan 2, où Jeanne sauve Clochette en changeant d'avis sur le pays imaginaire. On apprend dans la bande dessinée de Loisel, sortie en 1990, que c'est Clochette qui a appris à Peter Pan à voler. On s'en doutait un petit peu, mais bon. Pendant la création du film, il a été décidé que Clochette serait un point lumineux, visible en arrière-plan, mais Mark Davis, son animateur, n'était pas d'accord. Il a donc créé le personnage que l'on connaît. La fée Clochette a eu son étoile sur le Walk of Fame en 2010. J'espère que ce zoom vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire et attendez-vous à des zooms plus longs. Dans mes paysons, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Noble paysan, suivez-moi, venez.